Oh, ils sont pas prêts d'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous? Arrête. Tu sens ça? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Quarry avec l'épisode 15, aventure horrifique évidemment. Un petit truc à boire et à manger, évidemment. Installez-vous, confort, éteignez les lumières, un casque ou des écouteurs, c'est toujours mieux. On se retrouve une bonne demi-heure ou plus ensemble, selon l'état des lieux, sachant qu'il y a quelqu'un accroché à une gigantesque poutre là-haut. Cela ne me dit rien qui vaille. S'il est attaché, je suppose qu'il s'est attaché tout seul. Ou peut-être qu'il a été endormi hein, grâce à ses seringues. À voir. C'est quoi? La preuve qu'on avance. Suis-moi. Ouais, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Chut. Ok. Seringue trouvée. Très bien, on ne sait pas du tout encore à quoi cela mène pour l'instant. On va tout bien fouiller, hein. Vous savez que je suis une petite fouine. La fouine, on m'appelle dans le milieu. Ok, là il n'y a rien. Là il n'y a rien, on va aller check là-haut. Très bien, là il n'y a rien. Ok. Et il n'y a rien non plus ici. Quoi? Sois prudent. Ouais. Quoi? Ok. Eh ben écoutez, on va être prudent. Bonsoir monsieur, madame, peut-être, je ne sais pas. C'était quoi? Ah, vous l'aviez pas vu depuis le début? Ah! Oula, ses yeux, on dirait qu'elle louche. Ok. On a trouvé Chris Hackett. Ok, on fait quoi? On tire? Putain de merde. Ah! Brian. Ah! Brian? Non, tire peut-être, je ne sais pas. Ok. Là, c'est les emmerdes. Attends, y a combien de loups là, les gars? Y a combien de loups-garous là? Oh merde! Pas maintenant! Ah! Hop! Oh, what the patate! Le miroir en argent. Abby, le Fiji. Ok. Ok, là on va rester concentré. Vas-y Bobby, déconne pas Bobby. Oh putain, oh la vache, il a pris des vraies patates hein. Ok. Hasta la vista baby. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es pas le bienvenu, mon gars. Ok. En fait, il y a une transformation sous une transformation. Merci.
de... ne pas m'avoir tué. Ouais. Pareil. Ok. Bon. Tout le monde redevient comme avant. Quoi ? Ah. Tu crois que c'est terminé ? C'est pas si simple. Je comprends pas, là. Chris est mort. Ah. Chris, c'était pas le premier. Ah ! C'est impossible. Caleb. Kaylee. La fille que t'as tuée. Son frère. Quoi ? Caleb a mordu Chris et Kaylee. Chris voulait juste les protéger. C'était un homme bien, mon frère. Mais alors, qui a mordu Caleb ? Silas. On le traque depuis longtemps. C'est un gitan, un nomade. Oh, les sous-titres, c'est terrible ! Un effort, les gars ! J'aimerais le revoir pour en finir. Il a été repéré un peu partout sur la côte, un enfant sauvage albinos, un loup blanc géant. Un loup blanc. Hein ? T'as dit quoi ? Où ? Où tu l'as vu ? Hey, lâchez-le ! Les cabanons, un peu plus tôt ! Ok. Ok. Bon, c'est logique. Je comprends tout, oui. Il doit être de retour depuis un moment, et c'est lui qui s'est jeté sous vos roues il y a 2 mois. Aidez-moi. Aidez-moi. On peut sauver Caleb. On peut sauver ce qui reste de ma famille. On peut aider ceux qui sont encore en vie. Ok, suspicieuse. Pourquoi je vous ferai confiance ? Je te demande pas ta confiance. Je dis juste qu'on peut en finir. Lui, je l'aime bien. On tue Silas, et tout le monde sera guéri. Ah, c'est pour ça que tous la folle disait Silas. Qui sont encore en vie. Ok, ok, alors... Au-dessus des lois. Où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Je sais exactement où le trouver. Ok, allons-y. Bien. Chemin ça mis à jour. Ça veut pas dire que je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. Je comprends. Et ça dérangerait l'un d'entre vous de me trouver des fringues ? Bon ! C'est faisable. C'est faisable ! Vous aviez pourtant l'occasion. Vous aviez l'occasion. Calme-toi ! D'éliminer cette famille maudite et vous avez échoué ! Ça ne fait rien. Il reste du temps. Nous pouvons encore triompher. Nous ? Le passé est le passé. Concentrons-nous. Sur le futur, voulez-vous ? Le soleil. La vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie tout entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Le jugement. Les cloches du jugement annoncent un meurtre sanglant. Vraiment. La rage d'une haine acquise. Okay. Un destin bien mérité ? Sans doute. Mais il n'est pas sans utilité. Même s'il ne pardonne pas, il n'oublie pas. Pour l'instant, on va aller sur le jugement. Le pape ? Où avez-vous trouvé ça ? Où l'avez-vous trouvé ? Elle n'a rien à faire là.
Il a déjà bien assez souffert, non, non, non. Mon pauvre petit, tu vois ce qu'ils nous ont fait. Ok. Il y a 6 ans, Elisa. Non. Le fameux feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qui a fait quoi, Michel? Qui a fait quoi? Ah! Ben, il est mort, hein? Mon garçon! Non! Ok. Oh! Oh! Je comprends pas, c'est par un loup alors! Il est bien mort. Ah, mais c'était lui le shérif, non? Le badge brûlé, tout ça. Bah non, il arrive à enlever la poussière, c'est quoi ces conneries? Oula. Oula. Ok, mamie. Oh, il est énervé. Ok. Maintenant, ça va chier. Mamie est de retour. Maman arrive, Silas. Maman arrive, Silas. C'est presque ça. Silas. Silas, the dog boy. Le garçon chien? What? Mais si là c'était pas humain en fait, non? I don't understand. Donc si là non. C'est bizarre. Mon pauvre petit. Tu vois ce qu'ils nous ont fait. Oh là là, les sous-titres catastrophiques. Le mal causé. Il est toujours là, tout seul. À chaque pleine lune, il le traque, armé d'argent. Ils veulent mettre fin à la malédiction qu'ils se sont infligés en réduisant mon spectacle en cendres il y a 6 ans. Ces stupides gamins. Le petit Silas. Petit loup blanc. Il faut le protéger. Cette voix, il faut la fuir. Ok, donc t'es cinglé, Bichette. Vous m'entendez? N'oubliez pas que je vous aide depuis le début. Non, tu m'as pas aidé. Tu me montres des visions cheloues, ça dure même pas une seconde. Oubliez tout ce que j'ai fait pour vous. Et en plus, tu m'as fait peur au tout début dans la voiture. Donc non, c'est mort. Si je vois Silas, là, ton dog boy, là... Je le démonte. Chapitre 10. Quand tout s'effondre. Ok. Ah, Timmy. Oh, merde. Ah, ben, hein? Tous ceux qui sont transformés, ok. Putain de merde. Qu'est-ce que je fous tout en haut d'un arbre? Laura.
Comment je vais faire pour redescendre? Problème réglé. Ok. Donc on est censé être seul sur l'île, non? Où est-ce que je suis? Ah ouais. Ok. C'est mes fringues. C'est quoi ces conneries? Ok. J'ai rigolé. On retrouve Laura. Alors, très bien ça. Tiens, tiens, tiens. Encore what? De bon matin. On a quelque chose par ici. J'ai un vrai boule, hein. On aurait clairement mieux fait d'aller au motel Harbinger. Ok. Le fameux motel. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Très bien. Je préfère quand il se passe rien, finalement. Parce que j'ai bien peur que ça parte toujours en couille. Bon, toujours deux morts pour l'instant? Deux, trois morts, je sais plus. Chris en bas, Abby, la sœur. Là, si tout le monde a récupéré son apparence... on est à deux morts, hein. Écoutez, je pense que notez-le dans votre Pokédex. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, mardi qui suit, notez bien mardi... On refait en live Ziquari toute la soirée et on va essayer de terminer le jeu avec zéro mort. Vous avez bien entendu, zéro mort, pas une de plus et pas une de moins. Parce que ça va être compliqué par la fois. Donc ça sera sur Twitch, twitch.tv/mrbboy45 et on fera Ziquari en mode zéro mort, full run, meilleure fin. Tu sais. J'ai un vrai cul, hein. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre, quand ils vont me revoir, ça peut tirer la gueule très vite, hein. Ok, ok. On dirait un Avengers, frère, avec les posés tout qu'il a, sous la lumière. Rester ou nager jusqu'à la berge? Alors, si je nage jusqu'à la berge, est-ce que je peux mourir d'hypothermie? Pourquoi aller à la berge? Putain, j'ai pas d'armes, j'ai rien. En vrai, je suis bien sur l'île, hein. Au moins, je sais que je suis tout seul. Et que je risque rien, non? Ouais, vas-y, on est bien, frère. On va attendre au calme. Y a aucune raison de rejoindre les autres, surtout que bah dans l'état, je suis même pas censé savoir où ils sont. Donc c'est débile, c'est potentiellement mourir pour rien. La table, aide-moi. Bon, ok. Je crois qu'on fera pas pire là, si? Cool! C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. L'aubaine! Comment tu sais ça? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens? Ah, ouais. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie? Bah. Non. Hé! Hey, on pense ouais, à la même chose, Bichette! Mais ici, on est bien. La nuit est pas finie. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Super, ok. Allez,
Il nous faut un point de vue. Suis-moi. Bon, nous revoici au point de départ. On va tout fouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une belle... cuisine, ça. Ouais. J'espère que ça cuisinait du lourd, t'as vu? Ok, c'est quoi, ça? Un sac. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Je suis un lapin malin câlin. Frère, il y a un home cinéma ou quoi dans le bordel? Ok. Mais c'est vrai que ce truc-là, il a depuis le début. Oh, mais c'était le sac d'habits, Miss Kina! Peut-être qu'avec ce move, elle nous sauvera la vie. Ok, on y va. Bonsoir. Ah, excusez-moi, monsieur, madame, monsieur. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Une pince. J'en pince pour toi. Excellent, l'humour. Ah, mais attendez, mais il y a Emma au bureau, là, qui est dans le Bunkers. Pourquoi tu vas en haut, toi? Qui t'a dit qu'il fallait en haut, mon pote? Tu vas en haut que si je le veux, ok? Cheminée. Là, il y a un peu trop de lumière à mon goût. Ok, il n'y a rien. Dommage. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Ok. Donc là, il reste en loup Caleb. DJ Caleb. Et qui d'autre? Si je de... Et le loup blanc? Silas? Silas? Ouais, je veux tout mettre à l'américaine, j'adore. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Une porte close à toutes les portes fermées. Qu'est-ce qu'on a là? Une double porte close à toutes les portes fermées. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Et qu'est-ce qu'on a là? Une porte close à toutes les portes fermées. C'est embêtant, coucou. Ça va, tu veux un coup de main? Allez, un peu d'humour. Un peu d'humour, on est dans la merde. Autant y être jusqu'au cou. Ok, bon. Bah, y a rien. Voilà, écoutez, y a strictement rien. Donc, c'est chiant. Ouais. Mais attends, il était pas. C'était pas là-bas le bureau de Chris. Chris McClintay. Non, c'est pas ça. Encore une porte ouverte à toutes les portes fermées. Ok, bah écoutez, on va prendre l'escalier. De toute façon... Oh, je l'avais pas vu, ça. I don't see this. Ok. Bonsoir. Ouais, c'est bien. On peut faire des... Putain, la caméra, terrible, les gars. Vraiment. Là, dans les pièces comme ça, il faut faire un effort, mon ref. Hein. Il faut faire un effort. Hein. Et là, il y a quoi? Ah! Une petite brise d'air! Ça, c'est pas bon. Voilà! On est mieux. On ferme le store. Et s'il me voit pas, y a pas de raison que. Voilà, hein. Si je le vois pas, y a pas raison qu'il me voit, hein. Oh putain, mais fais pas ça, toi. Ok. Allez, viens, on monte. Voilà. Par contre, dépêche-toi, putain. Les escaliers, c'est aussi un calvaire dans le jeu. Hein. Non, mais voilà, il y a des choses à dire. Et là, c'est dit. C'est dit et c'est redit, même. Oh, la petite famille. La petite famille à quête, même si Chris est mort dans l'atroce souffrance. Je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes. Il y a écrit « Tout s'effondre », c'était ça le nom du chapitre. Ça sent un peu la fin, cette connerie. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai même pas vu. On peut enfin mettre un nom sur cette sale gueule. Et donc t'es qui? Le frère de Monsieur H, c'est ça? Qui? La grosse brute tout à l'heure, quand t'as accompagné Ryan. Ah, il parle de Bobby? Je dirais que peut-être... c'est le frère de Monsieur H? Ouais, ouais. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Un dortoir. Il y a des menottes, wesh. Ah non, putain, c'est pas des menottes.
On aurait cru que c'était des menottes terribles. Merde, ils doivent vraiment galérer pour aller gratter un dollar. Ok. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Ok. Oh, on peut monter encore. On peut monter encore. J'aime quand ça monte. Je peux vous le dire. Ok. Bonsoir. Ok, il n'y a rien. Oh là ! La papesse ! Carte de tarot trouvée. Elisa a trouvé la mort dans l'incendie qui a ravagé son spectacle itinérant il y a 6 ans. Son fantôme hante depuis lors les bois de Hackett's Quarry. Et elle a juré de se venger de la famille Hackett pour tout le mal qu'elle lui a fait. Ses cartes de tarot, autrefois perdues dans les flammes, lui ont permis de vous guider dans la nuit. Mais ses motifs ne sont pas aussi clairs qu'ils le semblaient au départ. Et évidemment, qui se cache derrière la femme ? La mort. La mort a de multiples facettes, ok. Et c'est sûrement la fin de cet épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Et on va directement continuer